14e Grand Prix de Bordeaux qui démarre avec tout de suite au centre l'avantage pour Deauville Schauer qui vient côté corde, mais vers l'extérieur on est plus rapide avec Schutterberg alors que le favori Best Fouette, Casac Orange, Toc Bleu Ciel se place déjà aux avant-postes. On voit derrière le numéro 4, le Blue et Noir qui va plutôt bien avec Rouquet, donc le numéro 8, tandis qu'à l'arrière du peloton on retrouve pour l'instant Broadway Boogie et Springleaf qui ferment la marche à 2 ou 3 longueurs du petit peloton. Retour en tête de course pour aborder la ligne d'en face, avec les chevaux qui prennent de plus en plus vers l'extérieur. L'impulsion en tête, c'est Schutterberg, le numéro 7, qui mène pour l'instant devant le bouillant Star Victory, associé à Yoritz Mendizabal, qui est deuxième. À la corde se retrouve Best Fouette, qui est bien placé, talonné encore par Deauville Schauer, qui a repris, qui est quatrième maintenant. On voit à la corde le numéro 4, le Blue et Noir, qui n'est pas mal placé. Tout ce petit monde qui se dirige maintenant vers le bout de la ligne d'en face, avec les mêmes positions. À l'arrière, toujours pour l'instant les mêmes, à savoir Broadway Boogie qui patiente avec la présence de Springleaf, le numéro 2, toujours en dernière position. Les chevaux sont dans le tournant final maintenant et à bord de celui-ci, sous l'impulsion toujours du numéro 7, Schutterberg, qui a l'avantage pour l'instant devant Best Fouette qui va bien et qui a été couru tout près de la tête par son jockey Anthony Krastus. Les concurrents les mieux placés, toujours vers l'extérieur, le numéro 6, Star Victory. Derrière, on retrouve le numéro 10, Deauville Schauer, avec Alexis Badel qui est actionné à cet instant par son partenaire et l'entrée de la ligne d'arrivée qui est maintenant très proche. Toujours les mêmes devant. Ça va bien pour Schutterberg avec Antoine Hamelin qui est un meilleur, mais passons à l'attaque avec le numéro 6 qui vient maintenant à sa hauteur, c'est Star Victory. Les chevaux qui attendaient donc pour l'instant derrière les leaders tentent de revenir de l'arrière, mais c'est extrêmement compliqué. Best Fouette, le numéro 1, semble avoir toutes les peines du monde à réaliser une bonne prestation. Il est battu alors que les chevaux sont à mi-ligne droite maintenant. Schutterberg, le numéro 7, qui repart de plus belle et qui se montre impérial et qui file vers la victoire pour ce 94e Grand Prix de Bordeaux. La deuxième place s'est disputée sans doute pour l'extérieur, à moins que Louis, le numéro 3, Broadway Boogie, qui se l'octroie dans les dernières foulées. Arrivée provisoire de ce 94e Grand Prix de Bordeaux, la victoire du 7 Schutterberg. Victoire acquise pratiquement de bout en bout. Antoine Hamelin pour l'entraînement de Michael Figueux. La deuxième place également tout à la fin pour le 3 Broglie.